Salut à tous, c'est Job. Et Missa. Et Marine. On va manger au Plaza avec les personnages de bon matin. Ouais, on va faire le petit déj au Plaza avec les personnages. C'est combien déjà? C'est 40 et quelques, je crois. J'ai essayé de retrouver le prix. Mais on l'a jamais fait le petit déj. On avait fait le repas du soir, la vidéo est disponible sur la chaîne. Mais pas le petit déj, donc on va l'essayer, on va voir ça. On va voir comment ça se passe. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Salut Tigrou! Salut! Tu vois? Elle va pas y arriver. C'est ok. Salut Bourriquet! Salut! Elle est bien, c'est ça. Bien, c'est C'est bon. Un peu pénible, hein, ouais. Fais une pause originale. Merci. Tous les jours, hein.
Sois contente. C'est bon. Je suis trop heureuse. Salut Pinocchio. Ouais, enfin. Ça fait être drôle. Ça fait être très drôle. Alors regarde même pas la photo, il s'en bat les couilles. Je fais l'envers du décor. Il est petit, non? Ouais. Alors Pinocchio, t'as dit tous les jours quand t'étais petit? Il y avait plus assez de bois. Donc là, on sort du plaza où on vient de faire le petit déj avec les persos. Qu'en as-tu pensé? C'était bon. Non, je rigole. Alors en vrai, c'est le même déjeuner qu'absolument dans tous les hôtels et buffets de Disney. C'est la même chose, sauf qu'à la différence, c'est un speedrun ici. C'est-à-dire que t'as pas le temps en fait. En fait, ouais. On pense que t'as pas le temps parce que tu penses que t'as pas assez de temps, mais quoi qu'il se passe, les persos vont arriver genre à la dernière minute à ta table. C'est-à-dire que Pinocchio, clairement, il est arrivé à la toute fin. Ouais. Et il s'est fait speeder parce qu'en fait, il s'est fait alpaguer par un groupe de gens dans le vestibule, là, le placard, là. Ils ont pas voulu le lâcher, il a été obligé d'aller le chercher pour terminer la salle. Mais ouais, en fait, on a fini le déjeuner en se disant on va pas avoir le temps parce qu'on va se faire rush, parce que vu qu'on est sur la deuxième session du petit déj et qu'après c'est le repas de midi, ouais, donc du coup à 11h c'est terminados. Et en fait, on a attendu genre 10-15 minutes où on avait fini de manger et où on a attendu les persos. Mais ouais, clairement, il y avait de l'attente sur le premier service en fait pour y aller. C'était vachement compliqué parce qu'il y avait vachement la queue. Alors qu'en fait, le côté gauche était plein alors que le côté droit il y avait quasiment personne. Non, mais c'est une excellente. Enfin, moi, je trouvais que c'était une très bonne expérience. Donc, 50 euros par adulte, il faut préciser. Donc, vous voyez, 6 persos, on a une Pinocchio, Gepetto, Capitaine Crochet, Briquet et Tigrou. Donc, ça fait 6 persos et ils s'arrêtent vraiment à chaque table. Vous avez le temps de faire des photos, alors, des vidéos. Sauf il y avait des personnages qui étaient un peu plus pressés. Voilà. Ils s'arrêtent à chaque table, mais perdez pas de temps quand ils sont à table en fait. Parce que le problème c'est que si vous êtes sur la fin du trajet, ils accélèrent. Parce qu'en fait ils prennent plus de temps au début forcément vu que c'est le début et qu'ils n'ont pas en fait l'estimation du temps que faire la salle va leur prendre. Voilà. Et du coup en fait nous on arrive à la fin, Pinocchio et Gepetto ils ont été speed. Pinocchio encore ça va, Gepetto il a été super speed. Voilà. Hein. Capitaine Crochet ça allait. Non ça va, Capitaine Crochet, tu t'arrêtais pas de lui dire plus tard. Il rageait Capitaine Crochet, j'étais morte de rire, j'en pouvais plus. Aussi. Non, vous verrez la vidéo de toute façon, ouais, je l'ai appelé Peter Pan histoire de le faire un petit peu réagir, ça a bien marché. Ouais, non, mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette expérience et si vous avez l'occasion, faites-le. Ok, c'est un peu speed donc il faut y aller, on n'a pas le temps, voilà, mais c'est génial. Ah, c'est et génial. Dernière chose, ne vous faites pas avoir par la fausse file d'attente en fait devant, c'est que nous on avait rendez-vous à 10h moins quart, on est arrivé, on a fait la queue vers le Victoria pour vous dire par rapport au Plaza pour ceux qui connaissent. Faut pas avoir peur, c'est que des réservations, ça rentre à 50, on était dans le resto. Mais c'est. Enfin, ça fait peur en fait. C'est, ça fait vraiment peur. Non, mais sinon, super expérience. Dites-nous dans les commentaires là, ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez faire, est-ce que vous l'avez déjà fait, qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi j'ai adoré. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée. Énorme bisous, bonne semaine. Et à très bientôt.